Bonjour, aujourd'hui je vais vous livrer les secrets du tartare de saumon de Benoît. Pour faire ce tartare de saumon, il va me falloir du saumon, l'idéal étant de prendre un morceau dans la queue car moins grasse, de l'aneth, un oignon blanc, jus de citron, sel, poivre et tout réside dans les épices. Gingembre en poudre, coriandre en grains, fenouil en grains. En premier lieu, je vais m'occuper du saumon que je vais laver, enlever la peau et couper les filets en très très petits morceaux. Mon saumon est prêt, je vais m'attaquer à mes oignons. Donc je vais éplucher et hacher fin mon oignon blanc. Il ne reste plus qu'à mettre l'ensemble des ingrédients, mélanger et mettre au frais pendant 2 heures. Alors un ingrédient important que j'ai oublié de vous signaler, c'est l'huile d'olive à mettre largement sur le saumon. Une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une bonne pincée de graines d'aneth. Une cuillère à soupe de grains de fenouil. Et l'équivalent d'une cuillère à soupe de graines de coriandre. Poivre, fleur de sel, notre oignon, jus de citron, et pour finir la nette. Et l'on met le tartare pour 2 heures minimum au frigo. Avant de mettre votre tartare au frigidaire, n'hésitez surtout pas à le goûter pour rectifier l'assaisonnement. Et bien bon appétit à tous!